Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Laurent. Donc aujourd'hui, je suis en train de préparer mon éleveuse. J'ai les poussins qui sont en train d'éclore. Il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis. Donc j'ai remonté mon éleveuse. Vous trouverez le lien en description. C'est une éleveuse que j'avais fait il y a quelques années. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, il y a longtemps. Donc le principe de l'OSB. Des pieds en des petits tasseaux ici, chaque côté. Plaque d'OSB là. En dessous, une plaque que l'on peut faire coulisser par la lampe, ici pour nettoyer. Un grillage au-dessus. Donc un entièrement démontable. Hein. C'est-à-dire quand on la démonte, il reste ce côté-là avec les pieds, l'avant, l'arrière. Pareil l'autre côté et le dessus et le dessous. Ce qui fait que quand on n'en a plus besoin, on peut la démonter. Là, j'ai mis des vis pour mettre des écrous. Enfin, comment dire, des vis avec des écrous à oreilles, comme j'ai mis, je sais pas si on voit bien, on va pas voir à l'arrière. Voilà, j'ai mis là, puis derrière il y a un écrou à oreilles. Alors j'ai fait un petit système à l'époque pour la maintenir ouverte. Voilà, donc là on la soulève, j'étais un peu amusé, donc avec un contrepoids, donc du coup voilà, ça permet de la bloquée, ouverte. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus de dimension. C'est à peu près 1 mètre de long et 60 à peu près de 50 ou 60 de large. Donc, ça permet de mettre une quarantaine de poussins, trentaine de poussins, on va dire, assez facilement. Je vous montrer les petits poussins qui commencent à sortir. Voilà. Donc là, il y en a un qui commence à éclore. Donc, c'est des bravins. Et puis, il y a deux œufs, je crois, il me semble, avec des poules pondeuses et un coq quelconque. Voilà. Je voulais voir ce que ça donnait. Aujourd'hui, ça fait 20 jours, donc ça fera 21. Demain, il devrait sortir, je pense, plus cette nuit ou demain après-midi. Voilà. Ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.